Bonjour, c'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon Lundi, votre chef à la maison qui entre la canou, moi dis nous merci. Merci pour tout. Je dis à la mouelle préparer pour nous une petite tarte aux pommes et noix de coco. Chargez les gens qui t'a demandé une tarte aux pommes. Faites qu'ils me jouent une petite façon pour m'entrer une petite touche créole là-dedans. Je vais commencer avec lui pour nous l'année. Pour moi faire lui, là moi j'ai 5 petites pommes. Je vais faire un petit compote de pommes. Je vais mettre demi tasse de sucre cassonade. Je vais mettre demi tasse d'eau. Je vais mettre un petit cannelle. Je vais mettre différents balles qu'on a la balle quitter le bouillir tranquillement pour le fin cuit et puis pour me craser pour me faire petit compote de pommes là. Pendant le balle cuit là qu'on a la balle commencer faire d'autres choses et puis m'a venir sur nous aller. Qu'on y a là une fois que nous garder lui nous pommes là li censé sécher là, il pas gain d'eau encore c'est seulement sucre à la là qu'on a caramélisé. Qu'on a qui ça nous fait? Nous on écrase. C'est tout, pas grand rien là dedans, nous hein. Il va arrêter de dos, ça lui dit c'est seulement pomme dans cuit. Et voilà. C'est déjà un compote de pomme. Qu'on a fait mes fois. Qu'on a quitté ça refroidi. On va venir avec la procédure pour nous. Nous voilà. On va venir avec deuxième partie pour nous faire pomme là qui pourra mettre pas dessus propre tarte là. Mais pomme mais on pomme là, on vient avec mon dernier grain pour montrer nous qui ça me fait. Moi juste caler pomme là, l'embout en bas, on prend. On caler comme ça là avec petit couteau ça. Donc tout nous capable caler avec petit couteau nous gain la canne. Mais qu'on a là, ça lui même m'a battre pour le retirer entier parce qu'il me va faire un petit dessin avec pour nous. Une fois qu'il me fin caler lui qu'on a là, je rentre en dedans le couteau. Point de couteau, je fais en dedans là. Je mets en dedans le des deux côtés. Après ça, je coupe en deux. Puis je retire le noyau. C'est côté cœur. Après ça, je mets le de l'eau citronnée. Peut-être pour ne pas noircir. Pour ça, lui-même, je vais le conserver. Je vais le faire un petit avec pour mettre la mi-temps tête là. Mais ça, c'est pas obligatoire. Sauf que je ne vais pas faire. Et voilà. Quand on a soutenu petit flé ça comme ça là, soutenu le. Après ça c'est lui-même moi pour le déposer dans mi temps pomme là, qui va le sans son petit dessin. Moi mettre le de côté là. Quand on a qui ça va le faire, moi prend morceau pomme là, regardez bien. Moi mettre dans le sens comme ça, OK? Moi mettre le pomme là, l'important regarde, moi couper le fin. L'important c'est pour régulière. C'est ça le plus important. Mettez là. L'important, regarde ça. Couteau bien filé. Faites bien régulier. Hein? Et me dit régulier, ça veut dire pour tout égal. Pas trop gros, pas trop épais. Regarde ça. Regarde qui j'en fais. Mettez éventail de balle. Pas trop gros, pas trop petit. Normal. Okay? Pour le capable bien cuire. C'est ça qui va le faire pour faire un bon tarte aux pommes. Qu'on va le continuer. Couper tout au complet et puis l'aime venir va venir avec tata dans mi temps là et puis pour me continuer procédure pour nous. OK. Quand on a même venir avec mon la tata là, moi qui t'en fait un pâte brisée normal, OK. Nous fait pâte brisée nous voulons. Nous faire avec de l'eau ou bien pâte brisée avec lait. Sous pas contre comment pour faire pâte brisée, on va venir taper JFL pâte brisée et puis vidéo à monter sous. Là moi qui t'en mettre dans mon la tata là, qu'on a celle ça m'était pour me faire pour nous, ça me pas capable faire c'est piquer là avec fourchette là. L'aime piquer avec fourchette là pour nous éviter boussouflure. Boussouflure là ça veut dire pour pas grand bout qui prend pile l'air et puis qu'on a là pour tatouer il vient cochi qu'on y a là. On vient avec petit compote de pomme neuf là, on déposer là-dedans dans plein milieu. Qu'on a brûlé la gélie. Qu'on a inséré le partout dans toute colle. Une fois que moi bien inséré compote de pomme comme ça, tout fan qui t'a demandé pour montrer comment vous faites un compote de pomme là, au fin fait compote de pomme là, qu'on a là où t'a mettez pomme ou t'a mettez pomme là sous lui comme ça. Bien arrangé, j'aime bien l'arranger là. Mais moi-même pour me porter petite touche créole moi, moi venir avec une tasse de noix de coco que moi grager avec côté qui gagne petit tout rond.
qu'on a moins pas semé sous lui. Et puis moi dis nous ça nous met à essayer pour nous faire c'est très très bon avec si cocoïa. Moi mettre partout aussi. Et maintenant qu'on y a là moi prend mettre pomme dans sous. Si moi même moi prend avec couteau tout comme ça pomme là moi fait éventail moi déposer me commencer par le coin. Toujours dans le coin pour commencer hein. Bien mené éventail. Pour pas quitter trou dans mi-temps parce que pas oublier dans mi-temps pour là on te font trou ou te tire pépin sous pas mettre comme ça il va le trou dans mi-temps qui pour faut pas faire une belle tarte aux pommes. Si toutefois ou pas gain habilité pour prendre avec couteau ou prendre avec main ou fait la même chose encore ou déposer li dans coin fin ou fin déposer li et puis qu'on a c'est laisser ça pour nous pas le faire coucher et voilà. Okay. On fait la même chose encore, ainsi de suite. Je viens sur nous, je viens arriver dans la fin et puis je vais montrer. Okay. C'est très important lorsque nous arrivons dans la fin premier rondement pour nous lever premier ça nous te déposé pour nous finir avec le level qu'on a pour nous mettre en dedans. Au level, ou finir avec. Qu'on a fait un rondement là. Qu'on a la moitié simplement pour mal reposer, faire l'inverse de ça, nous faire. Quand y a les mouvements en fin, quasiment en fin, qu'on a la moitié venu avec petite décoration en flemme de fer, moi déposer la mitaine là, et voilà, qu'on y a la moitié tirer ce pommier tout autour de lui-même. Une fois que moi bien installé bien placé pour moi tout autour de lui-même qu'on a venu avec un petit beurre fondu on prend une cuillère de beurre moins fourni qu'on a là moins badigeonner pomme c'est très important pour nous badigeonner pomme non avec petit beurre premièrement pour ton petit goût deuxièmement nous pas nous dire nous qui roule li tout et non seulement nous devons mettre beurre là qu'on a même pour qui ça qu'on a là venu avec un petit cassonade ça nous le sucre brun en pays noir. Moi viens avec passoir ça c'est parce que me connais nous toutes nous ca posséder. OK, nous fait ça nous passer petit sucre brun sous lui. Qu'on a fait ça pour caler partout, OK? Et voilà. Qu'on est là, on peut doit mettre un petit cannelle par-dessus. Qu'on a la four moins à 325. M'a mettre le four là pour un bon 1 heure de temps. Là fin bien arranger ça comme ça là, c'est cuisson. Ou pas mettre trop gros chaleur, ou pas mettre trop petit chaleur non plus. 325, 60 minutes, ça va être parfait. Les lap sorti là, on peut la colorer, bien caraméliser. Nous admettons. Et voilà. Après une heure de temps, mais qu'on a la map quitter le refroidi là, et c'est beau, hein. C'est très beau. Faut quitter le refroidi là pour bien tomber avant qu'on coupe. C'est parfait, ça, c'est excellent. Waouh. Après ça, la sorti, moi, le sorti là, regarde-moi ça. Mais là, moi, démouler lui, c'est vraiment beau. Qu'on a quitté le fret encore davantage pour qu'il soit capable de bien couler ensemble. Après ça, pour couper à faire ou manger. C'est vraiment bon là, avec noix de coco, tarte aux pommes. Tout le monde qui t'a demandé mieux. C'était JFL Cuisine Creole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré là-bas. Merci, au revoir.